Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, lundi 22 août 2016, je vais vous parler d'un logiciel non libre mais qui fonctionne sur Linux que j'utilise tous les jours. J'ai nommé Skype. Alors pourquoi je vais parler de Skype aujourd'hui? Eh ben, c'est tout simplement parce que j'avais fait il y a un petit peu plus d'un mois sur mon site un article sur Skype. Skype, pour ceux qui ne connaissent pas, si ça existe des gens qui ne connaissent pas Skype, c'est un logiciel qui permet de téléphoner à d'autres personnes sur l'ordinateur de manière gratuite, quel que soit le pays où on est, puisque ça fonctionne avec la connexion Internet. C'est multiplateforme, ça marche sur Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, Windows Phone, je suppose. Et donc j'avais dit le 10 juillet 2016 qu'il y aurait bientôt une nouvelle version de Skype pour Linux, citant l'article ici, qui sortirait le 13 juillet. Alors, entre-temps, j'ai déménagé, j'ai eu des vacances, du coup c'est passé un petit peu à la trappe, mais je reviens à la charge par rapport à Skype. La dernière mise à jour de Skype, qui remonte quand même à juillet 2014, permettait de se connecter à un compte Hotmail. Bon, alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc déjà, mon Skype sous Linux, vous voyez, donc là avec compte Microsoft, c'est la fonctionnalité qui avait été introduite à l'époque. Donc là, moi, mon compte est tellement vieux que c'est une connexion sans compte Microsoft. Le Skype que j'utilise, voilà. Ici, c'est un Skype 4.3.0.37. C'est la dernière version stable en date. Et elle est uniquement 32 bits. Ce qui fait que sur un système Linux 64 bits, on est obligé d'installer un certain nombre de bibliothèques 32 bits. Ce qui est légèrement relou. Donc ça, c'est l'interface de Skype, assez minimaliste. Quand on veut passer un appel, on y va comme ceci. Si on veut faire un peu de chat, on y va par une troisième fenêtre et on a la quatrième fenêtre qui s'affiche ici. Si je ferme là, ça coupe l'appel, donc c'est pas terrible. On a beaucoup de fenêtres, c'est pas très ergonomique. Bien sûr, avec certains émoticônes, on peut on peut mettre des émoticônes. Par contre, ceux qui sont sous Windows, qui nous envoient des nouvelles images, on a un petit lien qui nous dit voilà, le contact a essayé de vous envoyer ce lien pour l'afficher. Cliquez sur ce lien. Et on est obligé de se rendre sur le site de Skype pour voir le lien. Bon, c'est pas très facile. Pour les utilisateurs de Windows, puisqu'ils sont nombreux, leur Skype ressemble à ceci. Donc il est quand même déjà plus sympa, on a une interface unie, on a de la publicité aussi tant qu'à faire, chose que nous n'avons pas sous Linux. Quand on appelle, on a tout dans la même fenêtre. Voilà. Et le petit truc là à côté, il est sympa, on peut le fermer sans poser de problème. Alors bien sûr, vous allez me dire, si on n'utilise pas la fonction d'appel de Skype, sous Linux comme sous Windows, on a la possibilité de se connecter via le client web. Donc via le client web de Skype, ça fait pas très très longtemps que c'est à notre disposition. On peut chatter en ligne sans encombre. Par contre, le petit souci de cette version, c'est que si on veut téléphoner, on a besoin d'un plugin qui fonctionne uniquement sous Windows. Alors tout ça pour dire quoi? Qu'il y a quand même besoin de faire une mise à jour vraiment sympa de Skype sur Linux, parce que, avouons-le, on est quand même un peu à la traîne sous Linux. Et vu que Microsoft dit qu'il aime Linux, on va voir cela. Donc j'ai téléchargé le Skype version alpha pour Linux. Il est disponible avec un RPM. Moi, j'ai pris le RPM pour installer sur ma Calculate Linux. Et je l'ai extrait, puisqu'on peut installer RPM sur les distributions basées sur Gentoo. Et donc, j'ai installé ce RPM. Il m'a fallu installer Gnome Keyring en plus, qui demande de stocker des mots de passe.
Et donc voilà à quoi ressemble le Skype, le nouveau Skype. Donc Skype pour Linux Alpha, voilà, c'est la version 1.5.0.3. On a le petit pingouin qui se balade, c'est cool, c'est super. Alors maintenant, niveau fonctionnalité, ça donne quoi? Alors déjà, il y a un truc qui est sympa quand même, c'est que quand on récupère donc le Skype Alpha, voilà, ici c'est un 64. C'est-à-dire que c'est un 64 bits. Donc j'ai gardé le ici le truc. Donc je ne sais pas comment vous montrer et vraiment voir si c'est vraiment une application 64 bits ou non. Mais apparemment, ça a l'air d'être du 64 bits. Alors je ne saurai jamais comment on peut faire pour voir éventuellement si c'est du 32 ou du 64 bits. Parce que si je lance là, hop là, si je regarde les processus qui contiennent Skype, ça lance le Skype qui est dans UserShare, Skype for Linux. Alors, je veux bien essayer de faire un truc comme ça, du style LDD là, pour voir les bibliothèques. Et on voit que les bibliothèques utilisées sont essentiellement dans lib64. Donc, ça confirme le fait quand même qu'on a une application 64 bits. Donc, c'est quand même un pas vers la suppression des dépôts 64. De la suppression des dépôts 32 bits sur une distribution 64 bits. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Je vais me connecter là directement dans le Skype pour Linux. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est possible, par contre, de le mettre en français. Bon, en soi, c'est pas très très grave. Settings, voilà. Notification, message, vie privée. Alors non, c'est peut-être pas possible de le mettre en français. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, je vous remontre le Skype 1.5.0.3. Donc c'est bien, on passe de Skype 4.3 à 1.5. Donc ça va être vraiment facile pour les créateurs de paquets RPM de distribution Linux de faire une mise à jour. Un logiciel plus récent qui va passer de la version 4 à la version 1. J'imagine, je sais pas trop comment ils vont faire. À moins que ce soit une version, un numéro de version qui soit propre au développement et qu'après on aura un Skype 5 par exemple. Si on appelle pour revoir les fonctionnalités, on retrouve cette fenêtre qui est unifiée. Alors là, je raccroche parce que sinon, le test d'appel de Skype parle. Ça me dérange pour enregistrer. Donc là, on voit qu'on a l'interface unifiée. Par contre, si on réduit Skype, on n'a pas de petite fenêtre là, sur le côté. Donc on ne voit pas qu'on a un appel en cours. Allô, allô, 1212, Skype, est-ce que vous êtes là? On va voir si le microphone fonctionne pas trop mal. Donc on va voir si j'ai mon écho. Suspense. Allô, allô, 1212, Skype, est-ce que vous êtes là? Voilà, donc ça fonctionne bien. On a les sons système, on a le son qui fonctionne bien, la caméra, vous ne me verrez pas pour le moment. Après, je pense que je vais tester avec quelques amis l'envoi d'émoticônes, de choses comme ça, et voir ce que ça donne, envoyer des photos, voilà, toutes ces fonctionnalités-là qui sont vraiment propres aux clients Windows et même aux clients web. On va voir ce que ça donne dans cette interface, ça peut être sympa. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur le Skype, la nouvelle future version de Skype. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une version enfin 64 bits, donc ça c'est quand même pas trop mal. Enfin, on va éviter de jongler au moins pour Skype avec des logiciels installés en doublon et 32 et 64 bits. On voit que l'interface est quand même un peu plus épurée, on a tout est dans la même fenêtre unie. Il semble que les fonctionnalités d'envoi de photos, de fichiers et d'émoticônes, les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles depuis un bail sous Windows,
sont disponibles sous Linux. Enfin, visiblement, on est encore épargné par la publicité. On n'a pas de publicité sous Linux, donc ça, c'est cool. Voilà, 64 bits, pas de pub, interface simple, ça fonctionne. Eh bien, moi je dis qu'on va tester ça prochainement. Et d'ailleurs, ce qu'on va même faire, on va déverrouiller nos composants graphiques. On va agrandir un petit peu notre plasmoïde. Voilà. Et on va s'ajouter le Skype for Linux Alpha à notre tableau de bord. Voilà, juste à côté. Et puis, on va tester tout ça. Et je vous ferai part des fonctionnements, des dysfonctionnements ou des petits trucs sympas qui ont fonctionné. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais écrire un petit article sur ce Skype-là et vous mettre les sources, si je les retrouve, du Skype que j'ai installé. Si vous voulez aussi le tester. Voilà, voilà. Allez, ciao.